Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. J'ai récupéré un sac de vêtements que les gens mettent plus et donc je vais en faire quelque chose. Et il y a dedans un petit pull en cachemire mais tout troué complètement, qui a perdu complètement sa forme, sauf qu'il est encore tout doux. Et donc je vais faire des petites mitaines là parce qu'il commence à faire hyper froid. Donc je vais faire des petites mitaines en cachemire noir. Je sais pas encore ce que je vais faire avec le reste du pull, je vais réfléchir. Mais donc je vais vous filmer ça et vous montrer, c'est hyper simple. Comme le pull est assez large, je pense même faire les doigts. Les trous des doigts, enfin pas juste les manches. Donc je vous montre ça. Donc le pull c'est un Zadig et Voltaire comme ça, avec écrit rock derrière. Et donc je pense que je vais faire quelque chose avec le rock, mais là je vais vraiment juste récupérer en gros les petites manches, hop, comme ça. Et donc là il faut que je fasse le trou parce que là il y avait un trou. Et ensuite comme, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu large. Donc est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je fais le trou des doigts? Couture, petite couture, petite couture. Et à quel point est-ce que je l'ai fait longue en fait aussi? Je vais les faire assez longues, je pense. Comme ça, genre, quand je mets un t-shirt à manches courtes sous un manteau un peu chaud. Alors, du coup, j'ai fait des doigts parce que je me suis dit que ça tiendrait plus chaud. Comme ça, il n'y a pas le vent qui passe dedans, quoi. Et je les ai fait longues et j'ai gardé les trous, en fait, genre un peu pour que ça fasse un peu rock. Et voilà. Mais j'adore. Mais j'adore, là, les trous là. Les trous là, là. Maintenant, je vais faire le reste du pull. Ok, donc, j'ai fait un truc très simple. C'est que c'était un pull qui était genre coupé, mais là, en mode cardigan, en mode petit gilet, mais sauf qu'il n'y avait pas de bouton. Donc j'ai juste cousu. Et voilà. Donc. Hop. Et donc comme ça. Et donc soit je le mets comme ça, soit je le mets sur les épaules. Il faut que je fasse un petit point là. Voilà quoi. Et donc avec en plus. Les petits gants. Voilà. Donc je trouve que c'est une super idée d'upcycling avec un pull. Là c'est l'hiver, il recommence à faire hyper froid, je sais pas, genre il fait moins 1 degré, c'est l'enfer. Du coup des mitaines ça sert toujours. Noir en plus, bah, enfin, tu peux pas te tromper quoi. Et puis ce qui me restait assez pour faire un pull que j'allais mettre, parce que c'est vrai que le gilet déconstruit sans bouton et tout, j'allais pas le mettre. Et là, là ça fait juste un petit pull manche courte que je peux mettre pour sortir au resto du coup comme ça. Ou que je peux mettre avec même avec une chemise en dessous, genre noir et blanc, ou que je peux mettre normalement aussi, hop, comme ça. Alors là il faut que je fasse le petit point, c'est ici qu'il faut que je fasse le point, sinon ça remonte. Oui, et sinon c'est juste un petit pull noir tout simple quoi, donc trop bien. Et donc voilà, donc je trouve que c'est super et vous voyez c'est hyper simple en fait, ça m'a pris 30 minutes littéralement et c'est vraiment très peu de couture, donc c'est facile quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification,
j'ai pas mal d'upcycling qui vont arriver là, notamment avec cette robe léopard. Je sais pas ce que je vais en faire encore, mais j'ai envie d'en faire quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Donc faut que je réfléchisse. Si vous avez des idées, dites-moi. Et voilà, donc abonnez-vous et bisous.